pour la prière. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Est-ce qu'il y a des fonceurs ce soir? Do we have runners tonight? Dis à ton voisin, je veux foncer sur ce problème. Neighbor, I will run on this problem. Je vais le renverser. I will overthrow him. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Donc, so, vous comprendrez et conviendrez avec moi and agree with me que la connaissance est fondamentale fundamental and capital dans nos vies. In our lives. On est d'accord? Do we agree? Donc, so, que cette clé let this key te soit donnée. Be given to you. La loi de l'ignorance, the law of ignorance, la loi de l'oubli. And oblivion. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray now? Nous allons prier contre Abaddon, Abaddon et contre son royaume. And against his kingdom. Jesus. Que le règne d'Abaddon, may the reign of Abaddon soit renversé au nom de Jésus. Overthrown in Jesus name. La porte de l'enfer, the gates of hell, doit être fermée devant toi. Must be shut up before ne la laisse pas ouverte. Don't ne la laisse pas open. Ouverte. Don't let it open. Parce qu'elle ne vomit que la destruction, le malheur, la mort. Si tu la fermes, tu la soumets, ta famille toute entière sera sauvée. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta main. Dis mon Père, oh Dieu, je referme la porte de l'enfer dans ma vie, dans ma famille. Esprit de destruction, je te détruis au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Seigneur, que la porte de l'enfer qui attaque ma vie, qui attaque ma famille, soit refermée aujourd'hui. Porte de l'enfer, je te ferme, je te ferme, je te ferme, je te ferme. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et referme la porte de l'enfer. Le tomate in toto preferi qui a douchada e le pandro tola qui a pandele hedo douche parreta et pandide di carossa le vendoucha ampanditolia la topante ricarando se le dia recofa anto peverita da shatananandi coferende mecante le rebedo shatabala e remando sequito paradia prevendo de le devo shada mandra pandre de queria e lei faneno non so preferia le tepa e li canto topa repato doce le chi indrete le de breakere doce le dia frevando e te farò me e te farò me Sura memora e fala memore faso Sera memora gaso frasaro E sura memor gaso ri Espera volo gaso fra milo E se faro E sera memora sara firme laso Sera memora e viene faro Asura memora gastra vozaro Sura memora e gasore Bestera me lo malo fre Adera me malo Sera memora e sera vozra nero Au nom de Jésus, on a prié. Prends ma main comme le tonnerre. Bien-aimé, toi qui me regardes, quel que soit le pays, je referme les portes de l'enfer devant toi au nom souverain de Jésus de Nazareth. Toute activité de l'enfer, des anges de l'abîme derrière ta vie, je l'annule au nom précieux souverain de Jésus. Écoutez, est-ce qu'on peut prier? Toute activité des anges de l'abîme, toi tu connais dans quel domaine tu es attaqué. Ça peut être ta vie sentimentale, le mariage, les affaires, ta carrière, ta santé. Ta santé. Mes amis,
La santé. C'est la deuxième plus grande richesse que Dieu ait donnée à un homme, à chaque homme sur la terre, après la vie. Si on touche à ta vie, on t'a tué. On touche à ta santé, on t'a tué. Nous allons prier. Toute activité des démons de l'enfer contre ma famille, contre ma vie, contre ma destinée, qu'elle soit détruite au nom souverain de Jésus. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, je me lève contre Abaddon, contre son armée, que les anges de la destruction, les anges de l'abîme qui s'opposent à ma vie, à ma destinée, soient mis en déroute, qu'ils soient frappés par les sept tonnerres de Dieu, que leur activité soit détruite au nom de Jésus, que le destructeur de ma vie, de ma famille, soit détruit au nom de Jésus. Ouvre la bouche contre cette armée maléfique. Jarame naulo, Yazei, Jarame naulo, Tola kamelo ifi naulo, Kalasmen edani tapelos me graso. La tupante le di boshaha, incanta titi dia coparadi, le frendro doshahadi, ikama mama nanosa liabresha, il le toto paraha, calato se. Esera mi muda sore, esera mole isarofre, esera mi malosra. Gasera mi mor faros rafuja, e sera fo me, e sera fo me. Esora mi mora inomla infilia, anora infalogei, sora mi mor safu. Usuru mi murai valasere, yara mi lo sura mi maloi, entara mi murai shiri galoi nao, adonai sasara mi brazaru, au nom de Jésus, on a prié. Donne-moi un main comme le tonnerre, s'il te plaît. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. La clé. Jésus dit ceci. Dosso soidas kleidas tes basilian ton oranoi. Je te donnerai les clés. Il commence d'abord par ceci. Il dit, sur ce roc je bâtirai mon église, ça dit toi et moi. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et puis je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu ouvriras, ce que tu liras sur la terre, sera lié au ciel. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Ce pouvoir, cette clé, c'est pour fermer la porte de l'enfer. C'est pour cela qu'il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et la clé, c'est par rapport aux portes de l'enfer. Et quand vous lisez dans Ésaïe 22, 22, et je pense dans Apocalypse 3, 10, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il l'ouvrira, personne ne fermera. Il fermera, personne n'ouvrira. La Bible parle de qui? De qui? Des croyants, de nous, de toi et de moi, qui croyons en Jésus-Christ. Nous avons les clés pour fermer, pour ouvrir. Nous allons prier maintenant. Que les portes de l'enfer soient refermées à toujours. Que la victoire qui nous a été donnée sur les portes du séjour des morts
Toute action dans ta famille qui vient des portes du séjour des morts, l'esprit de mort doit libérer ta vie et ma vie. Quand je parle de l'esprit de mort, il faut bien comprendre. Il y a plusieurs morts. Il y a la mort financière. Quand tu as l'argent, ça finit. Il y a la mort sentimentale. La mort peut attaquer ta vie sentimentale. C'est un poison. Dès que tu as de bonnes relations, ça meurt. La mort peut attaquer ta santé. Tu n'es jamais en bonne santé. La mort peut attaquer ton mariage. Si tu te maries, ça finit toujours mal. Donc, la mort peut aussi être physique. La mort précoce, les gens meurent tôt dans ta famille. Avec la clé, nous allons refermer la porte à la mort. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Dis mon Père, par les clés que tu m'as données, je ferme les portes de la mort et du séjour des morts. Attendez. Attendez. Avant de prier, la Bible dit quoi? Que Jésus-Christ a quoi? A vaincu la mort. Et qu'il a quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare était mort. Mais il a ouvert les portes du séjour des morts pour libérer Lazare. Est-ce qu'on est d'accord? La même chose lorsque Phoebe est morte. C'était Phoebe, n'est-ce pas? Quand Pierre est arrivé, il l'a ressuscité. Ça voulait dire quoi? Il a ouvert le séjour des morts. Il a ramené l'âme de Phoebe. Personne ne peut ressusciter un mort s'il n'a pas les clés du séjour des morts pour ramener un vivant parmi les vivants. Un mort parmi les vivants. Lève ta main. La mort doit quitter ta vie dans tous les domaines. Dis mon Père, oh Dieu, oh God, je chasse l'esprit de mort de tous les domaines de ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma famille, dans mon mariage, dans ma vie sentimentale, dans ma carrière, dans ma profession, dans mes études, dans mes relations, dans mon ministère, dans tout domaine de ma vie. Esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus. Je referme les portes de la mort et du séjour des morts au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie avec autorité. Open the mouth and pray with authority. Paratikatusha intalaba. Levendro tia parekita lidaba. Leretele nemente lekado shata. Paretele lefanto sika palahande. Leretuzo selekia pante lidobreisha. Vato tupahande leketisha. Elima mano nonse hambre ke rosali. Ferrato tu sahandia. Kalito ho paradi. Shelito inta prevere de liga bra. Eleto tu parahandia dia. Sheleka paramante le debrecia. Manito parehendo sia. Paru sahandelia. Shele paru solika ha. Leleto sahandre de lidi bra. Recoto la mante le de debrecia le. Elere mando sika te le debrecia diga. Pareto manta. Ilano non sa ibre carro dosa, calano non se hedele che deleme, il rito se he, palatoce I capare, zamrano cose de reisha diga, parito na tele de reisha di, palita na namande, che sera mi mur gasore, sera mi mundo I farostra, si se varo. La parati sahandele che taladaba, li rito se inta parani, li roscia hanta mananini mosa, carrofa in tita tu so prefaria. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Tends ta main vers moi. Straight your hand to me. Père, je prie pour ton peuple au nom souverain de Jésus. Que la victoire te soit donnée sur la mort. Que la victoire te soit donnée sur Abaddon. Que la victoire te soit donnée sur son armée. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Je brise les portes de fer dans lesquelles toi et ta famille avaient été enfermés. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Aucune porte
dans nos familles qui a été fermée par Satan ne restera fermée. Nous les ouvrons les unes après les autres. Nous les ouvrons les unes après les autres. J'ouvre la porte du mariage dans ta famille. J'ouvre la porte de la santé dans ta famille. J'ouvre la porte de la vie éternelle dans ta famille. J'ouvre la porte de l'élévation dans ta famille. J'ouvre la porte de la bénédiction dans ta famille. J'ouvre la porte de la joie dans ta famille. J'ouvre la porte de la gloire dans ta famille. Dans le nom souverain de Jésus, je prophétise la gloire de Jésus. Je prophétise la santé. Je prophétise la bénédiction au lieu de la malédiction. Je prophétise la vie au lieu de la mort. Je prophétise le succès au lieu de l'échec. Dans le nom puissant de Jésus, que la sagesse de Dieu te soit donnée pour comprendre les mystères des clés et vaincre les portes fermées de ta vie, les portes fermées de ta famille. Reçois les clés invisibles. Que la clé de David te soit accordée au nom souverain de Jésus. Que les clés de David te soient données au nom de Jésus. Pour ouvrir et personne ne fermera. Pour fermer et personne n'ouvrira. Oh Dieu, je déclare ta grâce sur ton peuple en cette semaine. Que cette semaine soit une semaine d'ouverture. Dans tes affaires, je prophétise l'ouverture. Dans ton commerce, je déclare l'ouverture. À partir de cette semaine, l'ouverture, 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 l'ouverture. Dans ta société, l'ouverture. Dans ton business, l'ouverture. Au marché, l'ouverture. Dans ton mariage, l'ouverture. Parmi nos enfants, l'ouverture. Partout tu iras, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que toute porte de malédiction ouverte contre ta vie, je la referme. Toute porte de limitation ouverte contre ta vie, je la referme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute porte de célibat dans ta famille et dans ta vie, je la referme. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer sont refermées, sont refermées, sont refermées, sont refermées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute porte de sorcellerie dans ta famille qui a été ouverte pour détruire ta famille, je la referme au nom de Jésus. Je la referme au nom de Jésus. Je la referme au nom de Jésus. Elle est refermée. Elle est refermée. Elle est refermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Toute femme stérile dont les entrailles ont été enfermées, je libère tes entrailles. Je libère ta trompe droite. Je libère ta trompe gauche. Et je prophétise. L'année prochaine, à cette époque, tu porteras ton bébé. Tu porteras ton bébé. Tu porteras ton bébé. Tu porteras ton bébé. Car la stérile sera féconde. Dans le nom souverain de Jésus, tu dis amen sept fois et c'est scellé. La prière.